Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation. Alors, voilà, j'ai fait passer un petit peu de temps. Donc, grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai promu les nouveaux arrivants. La majorité, je les ai promus en commoner. Oh. Le but, voilà, c'est qu'ils soient tous promus en tant que commoner. La baraque est bientôt finie, la Wooden Keep est bientôt terminée. J'ai une ferme en construction à ce niveau-là, au niveau du pont. On a les matériaux qui ont presque tous été livrés, il en manque à peine une vingtaine. Et j'ai changé d'avis, ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer le territoire qui est ici. Non, ça m'arrange pas. On va plus débloquer le territoire qui est là. Et ce sera là. Ouais, ça va être là que je vais faire tout ce qui est la gestion du bois. Avec le camp de forestier, etc. Et là, je vois qu'il y a du caillou. Ça se trouve, il y a même un endroit de la nourriture. Peut-être caché quelque part. Ah, il doit être très très bien caché. Si on a, on a peut-être pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute tout en extraction. Voilà. Et je mets toute cette partie-là également en reforestation. Voilà. Ici, le camp de bûcheron ne sert à rien. Donc je vais le détruire. Et je vais le reconstruire. Bah, bien évidemment. Là-bas. Eh oui, c'était un piège. It's a trap. Voilà, je ferai mon camp de bûcheron là-bas. Simplement pour couper un peu tout le bois qu'il y a. Ça m'intéresse pas. J'ai besoin de planches. Non. Ce n'est pas le moment. Ah, je suis un peu en rade de bois. Ok, là il manque pas grand chose. Là regardez, c'est presque terminé vraiment. Il manque pas grand chose. Les cheminées. Deux cheminées. Deux cheminées. 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 Je sais pas comment on dit. Cheminées. Oh, purée. Storage full. Ça c'est le tailleur. Ils sont full. Ça me va. Ah oui, j'en ai construit un deuxième. Voilà, effectivement, j'ai construit un deuxième tailleur. J'avais peur de manquer de bois, de vêtements. Au niveau du camp de forestier, alors, j'aime pas trop les pins. Enfin, là, regardez la manière dont ils sont faits. Je les trouve un peu tristes. Donc, je ne vais pas en planter. Mais sinon, le reste, je plante de tout. Oh, regardez ça, là ça avance bien, ça avance très très bien même. Voilà, ça s'est construit. Voilà. Voilà, on va dire que toute cette zone-là. Je pense en soi qu'on n'est pas trop mal là avec tout ça, déjà ça sera déjà beaucoup. On a une belle zone. Ah, il est presque construit, il est presque fini. Regardez là, la cheminée, là, la cheminée. Bon d'accord, la cheminée a commencé avec du bois, je sais pas trop ce qu'ils font dedans. Mais... voilà, là, ça sème bien.
Comme ça, on aura deux champs. Le pont commence à être construit. Impeccable. Voilà. Lui, il plante. Pardon, il plante le bois, c'est bien. Enfin, il plante les arbres. Il plante le bois, putain. Allez, on va assister quand même à la. À l'ouverture officielle, entre guillemets, de la cabane. De la cabane, de la baraque, pardon. Si jamais les constructeurs veulent bien venir, on va le mettre en priorité. J'ai l'impression qu'ils sont tous barrés travailler au pont. Ils ont pas voulu finir la cheminée. C'est des flemmards. Ah là là, je te jure. Ah, j'ai le balif qui est revenu. Ah, ça y est. Regardez la cheminée, la cheminée, la cheminée là. Ah. Il manque vraiment pas grand-chose, hein. Allez, on y croit, on y croit. Can do it. Ah, ça devrait être bon. Ouais! Impeccable. Ça y est. On a créé donc des extensions pour faire des dortoirs. Là, on peut accueillir jusqu'à 18 personnes. Et. Eh ben, c'est parti. Accueillons-les. Ah, déjà, on a nos 7 premiers petits soldats. On peut débloquer tous ces nouveaux bâtiments. Oui, j'ai débloqué pas mal de nouveaux bâtiments, mais je les ai pas faits. Je vous attendais. On va regarder ça tout à l'heure. Au niveau des soldats, on va leur assigner des épées. On n'en a pas encore une par personne. Ça, c'est. Ça, ben, ouais, que voulez-vous? C'est pas encore la prio. Alors, qu'est-ce que ça dit? Food storage. Food shortage. Elle manque de nourriture? Pardon? Oh, pourtant, est-ce qu'il faut en nourriture là? Un nouvel arrivant, plutôt un nouveau arrivant. J'ai des villageois non employés qui me. Weaponsmith. Moi, j'ai rond d'armes. Ouais, la cabane du chasseur. Et là, donc, j'aurais des noms d'employés. Couldn't. Walk place with this current sign job. Ouais, oui, c'est parce qu'il est de l'autre côté de la. Y'a pas de pont. Par contre, ça me met que j'en ai qui sont pas employés, mais. Ah, ça doit être parce qu'ils peuvent pas y aller. Ils peuvent pas y aller. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça viendra. Le pont qui se construit de manière assez rapide, hein, quand même. Une arrêt. Oh. Je suis agréablement surpris par la vitesse de construction de ce pont. Voilà, lui il plante, hein. On voit ces tout petits arbres au début. Très flou. Mais qui grandit, hein, qui grandit. Regardez. C'est pas magnifique. L'œuvre de la nature aidée par l'homme. Bon, c'est mieux quand ça se fait tout seul, mais. Qu'on la défonce pas! Bordel. Bad weather is coming. Ouais. Ça va être le moment de faire des. Bah de faire nos. Comment ça s'appelle ça déjà? Nos cabanes de pêcheurs. Voilà. J'avais oublié le nom. Voilà, donc là j'ai un bel accès à la mer. Enfin, j'aurai un bel accès à la mer. Hein. D'ailleurs, on va. Voilà, on va
Faire tout ça en zone d'extraction. Ouais, je m'embête plus. Avant, je m'embêtais, je mettais ça comme il faut et tout. Là, je m'embête plus. Hein. C'est tout. On peint tout. Voilà. Flemmard que je suis. On va faire une zone résidentielle. Tout là. Entre là, là, là. Voilà, on verra dans un second temps. Ici, ce sera vraiment juste le village de pêcheurs, mais... Bon, il va falloir quand même qu'il soit pas trop trop malheureux, quoi. Faut pas déconner. Voilà. À faire un marché quand même. Histoire de vendre 2-3... 2-3 bricoles. Voilà, qui sont des baies, du poisson et des vêtements. Golden Bridge build. Ça y est. Le pont est construit. Excusez-moi. On va pouvoir passer à la construction du camp des bûcherons. Ah, promotion available. Oui, forcément, en faisant ça, voilà, ça, bah, les maisons, s'upgrade. Vu que les gens ont une meilleure, on va dire, place, je sais pas, dans le village, je sais pas trop comment dire ça. Mais ils demandent à ce qu'ils aient une maison, bien. Ben, c'est ce qu'on va faire. Hop, allez, et on va aider le peuple. Parce que le peuple, c'est très important. Hop là, désolé de vous avoir cassé les oreilles. Voilà, donc le peuple, c'est pourquoi je me lève tous les matins. Hop là! Tout le monde a été promu. Bon, enfin, j'ai fait le tour de tous ceux que je pouvais promouvoir. Évidemment, je peux promouvoir qu'un seul rang à la fois. Ah, j'ai deux nouveaux arrivants. Et le prochain rang, bah, il leur faut de la luxure et des habits. C'est de la luxure, ça, que je n'ai pas. Ouais, là, il aura le temps de voir. On aura le temps de voir. Ah, il est un peu loin, là. Là, c'est vraiment un peu loin pour la construction. C'est ça qui est dommage. Voilà, et on va commencer à faire nos fishers, cabane de pêcheurs. Voilà, je pense qu'on va en faire 5, ce sera un bon début. Voilà, il y a de la construction à faire. Et on va quand même faire un grenier également ici. Histoire de. Donc où il y aura du poisson et des baies. Bah pour le stockage. Ah ça y est, il y a déjà notre première maison. D'accord. Bah pourquoi pas. C'est peut-être un de ceux qui travaillent ici, c'est possible. Voilà, on va se laisser cette partie se construire. Là, je me dis que je suis loin quand même. Donc, je vais faire. Ouais, je vais. Quoique. Si, allez. Ah, ouais, j'ai vraiment. Ah, ouais, j'ai vraiment de la maison là qui se construit un peu de partout ici en fait. Oh, la vache! J'ai plus de place dans mon village?
Ah bah ouais, j'ai vraiment plus de beaucoup de place. Hein. Ah, c'est que ouais, je pensais pas. On va agrandir un peu tout ça. Agrandit également là. Ah ouais, je pensais pas être autant au rad en place. On va faire un petit puits, ça va les attirer ici. Hop là, juste ici, c'est pas mal. Comment sont-ils ici? 8. Voilà, 10 au moins. Par contre, ils occupent pas les dortoirs. Ah, c'est pas fameux ça. Dommage, faudrait que ça serve quand même. Nos ressources to extract. Ah ouais, on voit que là par exemple il n'y a plus de baies et ça va repousser. Voilà. Voilà, ils sont un peu loin de l'église, donc ce que je ferai ici, voilà, vous l'avez vu. Peut-être hein, pour ceux qui ont l'œil dans les quêtes. Et il va falloir faire une église, donc pas une église rustique, mais une vraie église. Bah, qu'on fera ici, hein, tout simplement. Bon, les mauvais jours sont arrivés. Le moulin est tôt. Pardon, le moulin tourne bien. On a 300 B. Ça va, on a un peu de stock. Heureusement d'ailleurs. Oh, ils habitent juste à côté en plus, impeccable. Ah oui, bah oui. Ouais, j'avais oublié aussi le fait que les ressources étaient, étaient très loin. Forcément, ma production de ressources est là-bas, donc il y a un petit peu de déplacement à faire, de trajet. C'est pas grave, ils vont faire le trajet. Hein. Comment ça, non, access to food? Ah, va au marché. Quelle idée. Regarde, t'as un marché juste là. T'as tout ce que tu veux ici. C'est fou. On n'a pas accès au confort, on n'a pas accès à la bouffe. Bah, oh. La bouffe, vous la trouvez. Le confort, c'est en train de se faire. Vous n'avez qu'à aider les constructeurs, hein. Ah, ça demande vraiment beaucoup de bois. Heureusement. J'ai mes camps de bûcherons qui commencent à fonctionner un peu plus. Lui d'ailleurs, je vais devoir le déplacer. Ouais, je vais le mettre là. Oh, même un nouveau. Ouais, un nouveau. Pourquoi un nouveau? Parce que tout simplement, bah, je vais avoir besoin de nouvelles ressources bientôt, qui seront par exemple le charbon de bois, etc., qui vont consommer plus de bois. Donc, ça fera pas de mal d'en avoir un troisième. Allez, mission available. Une difficulté facile, on va prendre. Et on va commencer notre première mission. Préparer les troupes, on va tous les envoyer. Voilà. On va les voir partir. Regarde ça, à la queue leu-leu. Alors, je sais pas trop par où. Par ici. Ok, ils vont partir par là. Number camp build. Allez, on assigne.
C'est un peu loin du. C'est un peu loin des habitations. J'avais un peu oublié ce détail. Mais bon, de toute façon, plus tard, on aura sûrement une autre petite partie du village, genre quelque part par là, pour tout ce qui est les mines. Le mieux, ce serait de l'avoir ici. Ouais. Pour l'accès aux mines. Il demande de la bouffe, mais de la bouffe, il y en a partout, c'est fou ça. À moins que ce soit ceux qui habitent là, qui sont pas contents parce qu'il n'y a pas encore de marché. Mince, il y a les loups. Les premiers, c'était le fabricant de vêtements, c'est ballot ça. Voilà, il y a les maisons qui se fabriquent. Voilà. L'atelier étant vraiment juste à côté, là, ils peuvent pas trop se plaindre. Hein. On va signer, on va vendre des baies. Promotion. Promouvoir tout le monde. Niveau vêtements, 76. Attends, j'ai augmenté là. J'en ai mis deux, ça suffirait pas, deux tailleurs? On va vérifier. On va quand même vérifier. Faire attention. Faire attention les jours à venir. Ça se construit bien, il n'y a toujours pas le puits. Envoy is approaching your village. Ouais, c'est petit rapide en plus. Non. Arrête de demander de la bouffe quoi, on a plus. Demande-moi de la bouffe quoi, y en a. Couille, on va. Ils sont tous en train de râler déjà. Ah, y a pas de bouffe, y a pas de bouffe. Oh. Voilà, ça coupe du bois, c'est très très bien. Difficulté, moyen. Non, j'ai peur qu'il y ait trop de pertes. Donc on va les faire revenir. Bon, à prioriser les constructions. J'ai l'impression que ça galère un peu. Il y a un trait comme ça, c'est marrant. Oh, wow, ça a bien poussé là, le bois. Alors, on est revenu avec de l'or, du pain, du fer, de la pierre taillée et des outils. Impeccable. Ok. Parfait, 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 tout ça. Ah, ça y est, le puits est enfin construit, ils vont pouvoir boire ici. Par contre, je leur ai dit priorité au puits, priorité au marché, mais ils ont construit tout ce qu'il y a à côté. C'est original. Il y a quand même pas mal de maisons, hein, c'est fou. Hein. Ouais. Mais. Mais prioriser ça, voilà. Ah, j'ai un lieu de stockage qui est complet. Ah bah non. Bah si. Ah, les vêtements, ça galère un peu. Trop de personnes à habiller. Ah, donc mes soldats sont revenus.
Et là, vous pourrez sûrement voir que certains sont blessés. Et ouais. Ce qui est normal, hein. Mais j'en ai pas perdu, c'est le principal. De plus, on va bientôt atteindre la barre symbolique des 100 villageois, des 100 habitants. Ça y est, market build. Ouais, ils vendent du poisson. Ouais, confort, nourriture, bon. Ouais, confort, ça devrait arriver là bientôt. Ça se construit. Access to service. Si, il faut juste se déplacer un peu. Pas d'inquiétude. Je vous ferai une église ici. Voilà, sur votre petite île, tranquillement. Avec ce beau pont. Oh, c'est magnifique. C'est quand même marrant ça. Hop là, ça plante, ça plante, ça plante, ça coupe. Mais ça plante plus vite que ça coupe. Eh, c'est ça qui est bien. C'est diversifié en plus. Plus 3 villageois, on a passé le cap symbolique des 100 habitants. On a atteint le cap symbolique même, j'ai envie de dire, des 100 habitants. Food, 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 toujours et encore et toujours. Ouais, plus beaucoup de baies là, il va vite falloir que la pluie cesse. Hein. Ça commence à devenir compliqué là. S'il n'y a plus de nourriture, ça va très très vite partir en cacahuète. Ok. Ouais, je manque de bois. Heureusement que j'ai un camp de bûcheron juste là. Ouais, il y a du passage, hein, mine de rien. Regarde tout ça. Ah, le pont, il sert. Hein. Attends, ils vont quand même pas acheter leur bouffe là. Ah, bah si, ils vont acheter leur bouffe là. Excellent. Ah là, ça taille bien. Ah bah, j'ai l'impression qu'on est bon. J'ai l'impression que pour ici, c'est bon. Il se dirige là-bas, on a vu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes deux camps de bûcherons à l'orée de cette forêt. Voilà. Alors, mission, je vais pas la accepter tout de suite, hein. J'ai encore des soldats blessés. Ah, on a passé 101. Ah, on va pas avoir la capacité avec l'église. Ça va être tendu.
Ok, le grenier est terminé. Poisson B, ça fera l'affaire. Ce serait bien que ça construise un petit peu plus vite là les cabanes de pêcheurs. Ok, lumber camp build. Elles viennent de loin pour construire. Voilà, on fait de la promotion. Déjà? Elle n'a même pas été construite qu'elle a déjà en promotion. Allez, oh, c'est the grading. Le chantier, ouais. Allez, je vais le mettre en prio lui. Ok. Ah, je gagne beaucoup du marché. Vache. Ça y est, ils sont construits. Impec. On va démolir cela. Voilà. On a trois nouveaux villageois. Ah ouais, j'en ai encore une ici aussi. Oh là là. C'est fou ça. Mais d'ici de là, j'ai toujours des habitations en tier 1. Je sais pas trop pourquoi. Bon. Il se débrouille, hein, il faut avec. Ouais. J'ai vraiment plus beaucoup de nourriture. Il faut vraiment que la pluie cesse. Ah, et regardez, pareil, niveau vêtements. Je devrais devoir refaire un autre tailleur. Ah, c'est fou ça. Mais non, mais il manque de ressources lui. Pourquoi il peut pas? Bah. Pourquoi il a pas accès à la ressource? Attends, il est juste là. Ah, il devait aller la chercher, je suppose. Ouais, je vais vraiment mettre la ressource juste à, enfin l'atelier juste à côté de la ressource, si je retrouve l'atelier. Ah, c'est peut-être ça? Ouais. Voilà, on va mettre là. Bonjour le moine, qu'est-ce que tu veux le moine? Des planches? Non, j'en ai besoin. Ok, ça, on met en priorité de construction. Et ça également, très très priorité. C'est la grande priorité. Il y a quoi ici? Encore une maison? Ah, c'est fou. Et ici, encore. Mais c'est. C'est dingue, j'ai même pas le temps de construire mes autres bâtiments, il y a trop de maisons. Un joli village, hein. Heureusement, il reste un peu de fromage, un peu de pain, mais il reste vraiment pas grand-chose. Ouais, plus de fromage, plus de pain, là, ça y est. Aïe aïe aïe, aïe aïe. Ça y est, il a refait une fournée de pain. Ça joue vraiment à ça. Ça joue vraiment en mode, il a refait une fournée de pain, c'est bon.
Allez, les beaux jours, allez, c'est vraiment le moment là. C'est vraiment le moment, ça fait un mois qu'il pleut. C'est la saison des pluies ou quoi? On est où? Il y a un typhon, ça se passe comment? Access to goods. Ah. Ah. Oh le bonheur. Oh là 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 là, regardez là. Aïe 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 aïe. C'est vrai que j'en ai pas qui sont partis, mais ouf. Vite, il faut y assigner quelqu'un. Va pêcher. Va pêcher, je veux pas savoir, tu pêches. Il y a besoin de nourriture là. C'est cata. On n'a plus de nourriture, pourtant je suis censé en importer. Ouais, tiens d'ailleurs ce que je vais faire. C'est trade route, je l'achète. J'ai pas trop le choix. J'achète. J'achète. J'ai de l'argent tant que ça serve. Ah, on voit qu'on a fait de l'achat. Il nous faut vraiment de la nourriture tell off workshop build. Ouais, voilà, on la signe. Ouais, ça se construit petit à petit. Il manque un petit peu de bois, mais ça se construit. Allez, prends ton bateau. Ah non, il est venu chercher le poisson. Ok. C'est bien aussi. Ouf, enfin. J'y croyais plus. Allez, ça va augmenter la récolte. En plus, là, le blé, il est bientôt à maturité. Oh la vache, oh, c'est pas bon. Je sais, désolé. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Attends, j'ai pas beaucoup de points de récolte de ressources en vrai. Je me demande s'il faudrait pas que je débloque ça. Ouais. On va faire ça. Ah! Il y a des dépôts pas loin. On va faire deux camps de cueilleurs. Ça rapportera encore plus de nourriture. De toute façon, j'ai pas trop le choix là. On va mettre en priorité de construction. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, regardez, il pêche. Ah, il pêche avec un morceau de bois sans fil. Mais il pêche. Il attend. Et attends, en fait, les poissons, ils vont faire. Ils vont se planter sur. Ok, c'est 5 par 5. Ah, c'est pas fameux, hein. C'est toujours ça, après, tu me diras. Mais vaut 5 par 5 que 0 par 0. Ok, il y a encore des maisons. Non, mais c'est fou. Regardez-moi cette. Oh la vache. De villageois, oh là là, oh là là, c'est cata, ces stats sont cata. Allez, stabilisation, là c'est vraiment stabilisation, on arrête de grandir. Voilà, il faut passer par ce genre de phase, des fois c'est expansion, stabilisation, expansion, stabilisation. Oh, ça c'est ma façon de voir après, mais. Pour moi, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Ah oui, mais mince, en plus, j'ai même pas mis en extraction. Heureusement que j'y pense. Sinon, bah, il serait pas allé chercher de la baie.
C'est simplement, tout simple, pas plus compliqué que ça. Okay. Je crois qu'on a un peu plus d'accès à la nourriture petit à petit. C'est pas encore fameux, hein. Heureusement que j'en achète un paquet. Comment ça? Arrête. Ah c'est bon, il y a 3 tailleurs pour 100 habitants, ça devrait aller. Ils changent de fringues tous les jours, c'est pas possible. Quand je dis ils changent de fringues, c'est ils en rachètent de nouveau tous les jours. Ah ils consomment bien, hein. Capitalisme à fond, hein. Putain. Ok, ça construit là. Quel relief, j'ai pas de. Non. Ça y est. On va y assigner nos. Des travailleurs. C'est pas vrai, c'est fou ça. Encore une évolution de la maison, quoi. De maison. Et on n'a pas qui traîne par là dans la forêt cachée. Ok, impeccable. Ça c'est bien avancé, ça a pas avancé, ça a pas avancé. Ça c'est pas mal en vrai par contre. La masse s'entraîne bien, comment ils sont? Est-ce qu'ils sont rétablis? Non, on a toujours deux blessés. On va attendre. Encore? Non mais. On voit le nombre de baies qui augmente petit à petit, ça c'est bien. Le moulin il tourne pas. C'est dommage. Access to service. Ah oui, ah oui. Je vais rajouter d'autres petites extensions ici. Je vais pas trop avoir le choix. Même si je trouve que ça fait pas très très beau. Pas moyen de les mettre en endroit où ça fait correct. Alors, la capacité de ça et de ça sont les mêmes. C'est pourquoi pas? Ouais, je vais rajouter un peu là, je sais pas trop comment ça va. Voilà. Je vais pas avoir trop trop le choix, hélas. Qu'est-ce que tu veux des outils? Bah prends. Les outils, ça va, j'en ai. Ça me coûte de l'argent, mais l'argent, j'en ai. Ok, ça va remonter un peu niveau nourriture et niveau vêtements. Ça fait du bien. On peut voir même au niveau du bonheur, ça aide beaucoup. Voilà, ce genre d'étape de stabilisation hein, qui je faisais bah, avant, par exemple, que
que j'avais fait lors des interstices entre les précédents épisodes. Bon bah, faut attendre un petit peu, faut vérifier que tout tourne rond. quelles seront les prochaines étapes? Voyons voir. Il y a l'air d'avoir plusieurs choix. Soit partir sur de la production de bière. Ah non, déjà première étape, voilà, faire l'église. Que pour l'église, j'ai un doute. Alors je veux juste. Ah, je peux pas. L'église, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il faut des vitraux. Et pour faire des vitraux, il faut du verre. Et pour faire du verre, il faut du quartz. Qu'est-ce que je partirais pas sur le. Sur tout ce qui est minerai en soi. C'est pas bête, hein. Ouais, si, peut-être partir sur les minerais. Alors c'était pas ma priorité actuelle, mais. On va faire ça. Ouais. Là, ça se construit bien. Et tous les matériaux, ouais, ça va vite être terminé. On va attendre que là, ça soit fini quand même. Ça galère, hein. J'ai l'impression que ça manque de bois. Ouais. Ils sont où mes constructeurs? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ah ouais, mais ils font 20 000 allers-retours pour aller à l'église en fait. Et c'est ça qui fait perdre vachement de temps. Donc, on va faire l'église. Allez, où est, où est, où est, là. Où est-ce que je vais la mettre? Ici, hein? Ouais. Quoique là, c'est pas mal aussi. Là, je dis le centre du village. On va la mettre là. Allez, on va faire une belle église. Hop là. On va faire une extension. Deux extensions. Ah, on va faire une entrée quand même. Faut pas déconner. Un truc comme quoi on peut augmenter la taille. C'est moche. Ouais. On va tester un. Hein. Voilà. Avec deux jolis clochers et une petite tour. On va mettre comme ça. Voilà, ça fait beau. Ah, il y a de la déco également. Gargouille. On met des gargouilles. Et voilà, on fait une jolie déco. Une gargouille. C'est une gargouille là, c'est bien. Non, ça vaut pas le coup. Ah, il manque une croix ici. Une arche? Pourquoi pas? Ouais, c'est les vitraux, ouais, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On va pas faire de vitrail de suite. Je sais pas comment elle va pouvoir accueillir de personnes. Hein. J'espère assez. Ça va demander quoi? Beaucoup de pierres. De la pierre taillée. Mais ça, j'en ai de la pierre taillée, c'est pas un souci. Quelques planches, j'en ai également. Des outils. Ok. On va mettre en construction. On va prioriser ça d'abord. Ouais, je veux que ça soit terminé avant les prochaines pluies. Ça
fera une belle. Ça fera une belle église, je pense. Quel niveau promotion. Oh, on est vraiment limite encore avec. Avec les vêtements, c'est fou ça. Oh là là. Bon, niveau nourriture, c'est bon. Et ça ira encore mieux avec le poisson. Ah ouais, le mec il s'est vraiment installé genre en face de l'église. Il aurait pu se mettre dedans comme l'autre, il l'aurait fait, je crois. Allez, on construit les mecs. Je veux pas savoir. Mec, les dames, tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oh, ça y est. Plus un ici. Voilà, qu'on fasse avancer un peu tout ça. Parce que bon. Non mais sérieusement, hein. Regarde ça. C'est pas possible, ils sont au chômage ou... Alors, il a pas de matériaux? Comment ça se fait? Je comprends pas. Fait, ils sont pas bien livrés au niveau des matériaux, quoi. Elle est où ma dernière... Oui, il est à côté, il est juste à côté, il a pas de main. C'est. Regardez, il est là. Hein. Il est vraiment ici. Et attends, c'est votre taillot. Je suis en x3. Hein. Un deuxième warehouse à côté. Je vais doubler les matériaux qu'il y a là. Et dans tous les cas, je suis obligé de faire un autre tanneur, parce que je vois que j'en ai de moins en moins. Voilà. On va mettre juste là. J'ai vu qu'il y avait... Voilà, ici ça s'était construit. Là c'est bientôt fini, là aussi. Bon, ça va vite avancer. Ouais, j'ai bien fait de faire cet atelier de constructeur. Oh purée. Sinon ça aurait été compliqué. Regardez, même niveau nourriture, hein. Ça a du mal. Hein. Heureusement que j'ai les pêcheurs. Hein. Heureusement. Et honnêtement, je pense que je vais devoir encore rajouter des pêcheurs. Qu'est-ce que tu veux? Du bois. Allez. Ça passe, j'en ai un petit peu. Ok, ils sont bientôt bons. Gain trade bonus of 20% with village of clergy allegiance. Ah, oui d'ailleurs. Ah, oui, voilà. Il va acheter des choses que nous on ne peut pas vendre actuellement. C'est pas grave, ça me fera acheter les ressources moins chères. Ok, ça c'est très bientôt fini. Ça. Je pense qu'il y a encore deux passages. Okay, j'ai du poisson, j'ai du poisson. Il me semble que dans un mode de jeu, il y a possibilité d'assigner plus de personnes à ces bâtiments parce que c'est limite. Il y a un truc comme ça. Là, je comprends maintenant. No access to goods. Ouais. J'ai bientôt plus de cuir, enfin plus de tissu.
Ok, ça c'est bon. Allez, un dernier effort. Voilà. A priorisé tous les bâtiments sauf l'église, qui actuellement n'est pas ma priorité. Là, ça va se construire naturellement l'église hein, avec le Builder Workshop qui est à côté. En vrai, ouais, ça va être assez rapide. Là, ça va être le même principe vu que le builder il est là, je crois, au niveau de la place. Ouais, regardez, il a pas beaucoup de chemin à faire. On a tous nos bûcherons qui vont. Donc c'est quoi ces pierres polies et... D'ailleurs la pierre polie je vais arrêter de la vendre. Voilà, je vais pas avoir besoin. Enfin, je vais en avoir sûrement besoin à un moment. Ouais, non, en fait, je vais la vendre, mais je vais la vendre à... Le mec un peu versatile. En fait, je vais vendre si j'en ai plus que ça. Voilà. Warehouse build. Même principe, pierre polie. Wool. Cloth. Et common clothes. Voilà. Je sais pas si je vais produire assez de wool, assez de laine. Par précaution, écoute, je préfère en produire plus que moins. On dit mieux vaut pas assez que trop. Dans ce genre de cas, un peu différent. Voilà, bon, ça changera un peu la route, hein, ils se débrouilleront. On priorise. Ouais, la maison est construite. Ici, ça va se faire tranquillou, pépère. Quatre villageois, et... Ouais, ça se construit bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça tourner. Donc, consolider un petit peu le village. Ouais, surtout faire l'église. Peut-être que je débloquerai et que je construirai les mines. On verra pour les bâtiments à côté. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. J'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. C'était Thiob. Ciao!